On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Gagne un tout, tout reprogrammé. Gagne un tout, un monde sans danger. Gagne un tout, tout reprogrammé. Voilà les touristes. Alors, 2 semaines sans nous, pas trop long? Allez, à vous les filles, je vous ai manqué. Pas vraiment, non. De toute façon, on n'aurait pas eu besoin de vous. Attaque de Xana, 0 au compteur. Bref, on est parti pour un été relax. On pourrait dire ça. C'est vrai que depuis que Xana s'est enfui du supercalculateur pour se réfugier dans le réseau informatique mondial, on n'a plus aucune nouvelle de lui. Bah, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est ce qu'on dit, oui. Mais avec Xana, il faut se méfier. Et je me méfie. C'est pour ça que j'ai reprogrammé le super scan. Désormais, il pourra localiser notre cher ennemi. Génial, Einstein. Et ça va nous servir à quoi? Déjà, ça pourra nous aider à comprendre ce qu'il fabrique sur le réseau. Cool, et ensuite, comme d'hab, tu nous enverras sur place pour lui faire sa fête. C'est le but. Sauf que vous expédiez sur le réseau, c'est pas évident, évident. Alors on va déjà essayer de cibler un peu les objectifs. Et c'est parti. Ouais. Super. Bon, au cas où, je vous rappelle qu'on doit passer prendre nos emplois du temps avant midi. Alors en route. Ulrich, attends. Hein? Voilà, j'ai pas mal réfléchi pendant les vacances et... j'ai un truc important à te dire. Bah vas-y, je t'écoute. Bon, alors ça vient? Ouais, on arrive. Bon, on verra ça plus tard. Un truc important à te dire? Genre quoi? Genre, j'en sais rien. C'est peut-être une demande en mariage, qui sait? Sûrement. D'ailleurs, je voulais te demander d'être mon témoin. Waouh, pas de quoi. Le samedi matin, ça veut dire que le vendredi soir... On pourra aller au ciné. Ah non, ça veut dire que je pourrais aller au ciné. Oh, salut Ulrich. Tu sais qu'on est toujours dans la même classe? C'est cool, non? Ouais, trop cool. Si c'est cool veut dire c'est l'horreur, alors c'est vraiment cool que tu sois là avec nous. Oh, très drôle. Tu sais quoi, hôte de mon cœur? Rigole autant que tu peux, parce que dans quelques secondes, crois-moi, tu vas pleurer. Berk! Allez, à plus les petits malins. Non mais vous avez vu ça? Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que t'es pas dans la même classe que nous. Quoi? Oh, on fait comment si Xana lance une attaque? Déjà que c'était pas facile à gérer avec Yumi, mais là, pour s'organiser, ça va être mission impossible. Y a pire, si je peux même plus pomper sur toi, imagine les notes que je vais me taper. Bon, y a pas 36 solutions. Où tu vas comme ça? Je vais jouer le tout pour le tout. Bon allez, c'est l'heure du déjeuner. Yumi, attends. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Salut Yumi. Ça fait plaisir de te revoir. Alors, les vacances, c'était bien? On verra ça plus tard. Oh Nicole, je vous en prie, c'est une question de vie ou de mort, sérieux! Pas question. Monsieur Delmas ne reçoit aucun élève ce matin. Mais c'est pas l'élève qu'il réclame! Non, madame, c'est l'ami! L'ami? Oui, madame, l'ami de sa fille, si! La situation est grave et je dois en référer à monsieur le proviseur, d'homme à homme! Bon, d'accord. Monsieur Odd de la Robia insiste pour vous voir. Ouais! Ouais, c'était super cool les vacances. Ah, ouais. Jim veut monter une équipe de basket cette année. Il paraît qu'il a joué chez les pros. Ouais, mais il préfère ne pas en parler. Et alors, la chose dont tu voulais me parler? Bonjour. Oh, Hiroki, qu'est-ce que tu me veux? Je passais juste faire coucou. Tu fais pas les présentations? Non. Du calme, serait, tu voulais juste te présenter mon pote Johnny. Bon, écoute, petit frère, t'es au collège, super, mais t'es gentil, tu me lâches les baskets, puis j'ai... Oh, tu te calmes, sinon moi je te capte quand tu rentres tard le soir. Abruti, va. Hé,
Elle est trop canon, ta sister. Ah ouais, tu trouves? Alors, comme ça, ma petite Elisabeth aurait un souci. Bah ouais, quand elle a su qu'on serait pas dans la même classe, elle a craqué, quoi. Oui, je vois. Eh bien, je vais devoir lui faire entendre raison, vu que le problème me semble insoluble. Insoluble, sûrement pas. Désolée de vous contredire, monsieur, mais il suffit de nous remettre dans la même classe si c'est moi et elle tourait jouer. Impossible, mon garçon. On ne change pas la répartition des classes d'un claquement de doigts. Et de toute façon, monsieur Morales a beaucoup insisté pour que Stern, Bellepoix et toi soyez séparés. Jim? Ah bon? Pourquoi? Ça, je l'ignore. Demandez-lui. Wow, génial! Ça y est, le super scan a localisé Xana. Bon, je file à l'usine, histoire d'en savoir plus. Attends, je viens avec toi. Bon, ce que je voulais te dire, c'est que... toute l'année dernière, j'ai voulu te... Eric! Ben non, tu pars déjà, j'arrive à peine. Justement. Monsieur Morales, je peux entrer? Ouais, jamais là quand on a besoin de lui. Funky! Bon, ici on devrait être tranquille. Alors, je t'écoute. Ben voilà, je trouve qu'on se prend pas mal la tête tous les deux. On est ensemble et puis on n'est plus ensemble et puis t'es jaloux et puis c'est mon tour. Alors franchement, moi je préfère que ce soit clair et net. On est copains et puis c'est tout. Wow! Bah qu'est-ce qui se passe? Xana, le retour, et il revient en force. Il nous envoie plein de monstres sur le cinquième territoire. Il n'a pas dû apprécier d'être repéré. Oh, y a des chances, mais ça n'explique tout de même pas un tel déploiement de force. Je file dans la salle des scanners. D'accord, moi je préviens les autres. Mais ça veut dire quoi, copain, et puis c'est tout? C'est clair, non? Ouais, bah oui, d'accord, ok, copain, et puis c'est tout. Génial. Je suis ravie. Ouais, Jérémy. Ouais. D'accord, c'est génial. Ouais, je suis ravie. Non, ça va, on arrive. Jim Morales, disco, film, enter. Préfériez ne pas en parler, monsieur Morales. Eh, mais il a grave la danse dans le sang, notre prof de gym. Eh ben moi, je vais graver ça sur un petit CD. Oui, j'arrive. Ah, monsieur Morales, justement, je voulais vous voir. Oh, vraiment? Et à quel sujet, mon petit gars? Au sujet du disco. Non, sans blague. J'adorais ça, moi, le disco. Même que j'étais plutôt bon à l'époque. Oh oui, je vois ça. La grande classe. Vous connaissez sûrement ce film. Paco, le roi du disco. Non, connais pas. Vous êtes sûr? Pourtant c'est un super film. Je compte le proposer pour la prochaine soirée ciné-club de Monsieur Chardin. Oublie ça, petit, ce genre de navet n'est pas digne de notre ciné-club. Oh, alors vous le connaissez? Oui, enfin, non. Enfin, je préfère ne pas en parler, d'accord? Oh, pas de problème, hein. Vous savez, le ciné-club, pour moi, c'est un passe-temps. C'est juste parce que j'ai peur de me sentir seule, vu que mes potes et moi, on n'est plus dans la même classe, si vous voyez ce que je veux dire. Donne-moi ça! Allons, donne ça tout de suite! Dites donc, ça va pas, vous deux? Vous avez un problème? Non, aucun problème, on est juste... copains. Ah, c'est parfait. Bon, descendez au scanner, Aelita vous attend. Ah, enfin. Bon, je dis aux autres de t'attendre. Transfert Odd. Scanner Odd. Virtualisation.
Allez, enfonce. Alors, où t'étais passé? Je cherchais un moyen de changer de classe et j'ai peut-être trouvé. Super, et le moyen c'est quoi? Le chantage. Je fais chanter ce bon vieux Jim. Non, sérieux? Et avec quoi? Disons que j'ai découvert un de ses petits secrets et qu'il a pas envie que tout le collège soit au courant. Bah, tu sais quoi? Le chantage, c'est bon pour les lâches. Oh, l'autre! C'est quoi cette morale à deux balles? De toute façon, la fin justifie les moyens, c'est vrai, non? Non. Eh ben, merci pour le soutien, ça fait chaud au cœur! À croire que vous préférez rester entre vous! Parfait. Mettez-vous en position. Je vais entrer le code Scipion. Holosphère système connecté. Alors, ils sont où, ces monstres? Bah ça, ils sont sous vos pieds, dans une nouvelle salle, on dirait. En tout cas, je ne l'avais jamais remarqué, j'ai aucune info sur elle. Bon, d'accord, les monstres, qu'est-ce qu'ils fabriquent là-dedans? Mais j'en sais rien, je vous dis, c'est vous qui êtes sur place. Alors au lieu de bavarder, allez y jeter un coup d'œil. On peut entrer par ici? Non, l'accès se fait par la voûte céleste. Allons, dépêchez. N'oubliez pas de désactiver le compte à rebours si vous ne voulez pas rentrer plus tôt que prévu. Il ne vous reste que quelques minutes pour trouver la clé. Clé en vue! T'as raison, monsieur le maître chanteur, c'est pas la fin aujourd'hui. Oh, lâche-moi! Tu lui as parlé? Oh, lâche-moi! Jérémy, on est à l'élévateur! Tant mieux! Il y a de plus en plus de monstres dans la salle des mystères et tout ça ne me dit rien qui vaille. On y est, Jérémy. Bon, on t'écoute. On va où maintenant? Foncez au pôle sud de la voûte. C'est là que vous trouverez l'accès à la salle. Et on y va à pied? Je vous envoie les bécanes. Si ça se trouve, c'est là-bas que se tient le congrès annuel des monstres de Xana. T'as remarqué? On n'en a pas encore vu un seul. Ouais. Et ça, c'est quoi? Les membres du service d'ordre? En plein dans le mille! Waouh, je suis à l'aise!
Rengaine ta frime, cow-boy. C'est moi qui l'ai eu. Ah ouais? Oh, c'est pas le moment, vous deux. Allez, en selle. On y va. Allez, grimpe. Vous y êtes? Vous voyez l'accès? Ça, on ne peut pas le rater. C'est ça, génial, allez-y. Oh, les garçons, à quoi vous jouez? Yumi et Aelita sont déjà à l'intérieur. Attends, toi, si Hot visait mieux, on les aurait déjà rattrapés depuis longtemps. Ouais, bah si cette bestiole voulait bien rester en place le temps que je l'allume. Aïe! D'accord, ça va, j'ai compris, je te recharge en flèche laser. Dans le tunnel. Enfin, on va pouvoir actionner le mécanisme. Alors, les filles, comment elles vont? Elles s'impatientent. Jérémy, je crois qu'on y est. Vous voyez les monstres? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Oh, répondez! Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils canardent une espèce de sphère. Si Xana s'acharne là-dessus, c'est que ça doit forcément être important. D'accord, donc, mort au rampant, c'est ça? C'est ça. Et de mon côté, je lance des recherches sur cette fichue sphère. Je m'occupe de celle-là. Je vais les voir, la sphère. Yumi? T'inquiète! Occupe-toi plutôt de nos copains! Flèche laser! Wow! Ça y est! J'ai retrouvé ma pêche légendaire! Super sprint! Ulrich, il faut...
faut à tout prix empêcher les rampants de détruire cette sphère. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du cœur même de Lyoko. C'est l'accès direct à tous les programmes sources du monde virtuel. Si les monstres le détruisent, c'est la fin. Lyoko disparaît. Dépêchez-vous, la sphère n'a que deux barrières de protection. Et la première vient de sauter. Alita, à toi de jouer. Et jouer à quoi? Elle a aucun pouvoir. Faux. Allez, Alita, tu vas y arriver. Non, non, je... Oh, mais comment elle a fait ça, Alita? Elle a développé de nouveaux pouvoirs durant l'été. Et désormais, elle peut combattre tout comme vous. Oh non, Jérémy, regarde! Oh! Oh non! Elle a été dévirtualisée! Mais ça veut dire oui, que... Oui, je sais! Oh. Oh non, j'arrive pas à y croire! Oh. Mais qu'est-ce que... Venez vite! Alors toi... Toi, tu t'es juré de me faire avoir une crise cardiaque! Je peux savoir ce qui se passe? Bah, si j'ai bien compris, Aelita peut perdre tous ses points de vie sans disparaître à jamais. Comment ça se fait? Bah, j'ai été stupide de ne pas y avoir pensé plus tôt. Mais depuis que tu as retrouvé ta mémoire humaine, tu es redevenue exactement comme nous. Plus besoin de code terre pour te faire revenir. Eh bien, une combattante de plus, ça ne sera pas du luxe pour traquer Xana et en finir pour de bon avec lui. Eh ben, dis donc, tu es une parfaite Lyoko guerrière maintenant. Et c'est tout? Bah ouais. Et tu as répondu quoi? Bah d'accord, génial. D'accord, génial? Alors là, n'importe quoi! Faut croire que j'arriverai jamais à vous comprendre. Hé, hey, tu vas où? Voir Jim! Sans rire. Bah fais gaffe, mon pote. Tu pourrais vite déchanter. Tiens, un corbeau! Si t'es venu me faire chanter, eh ben tu perds ton temps! T'es pas le premier qui a voulu jouer au plus idiot avec moi! Et crois-moi, tous les autres ont perdu! Tenez! Franchement, le chantage, c'est pas mon truc! Je suis désolée, monsieur! T'as vraiment fait ça pour rester avec tes potes? Bah, l'école, c'est déjà pas très drôle! Alors sans les amis... Bon, mais je vais voir ce que je peux faire! Oh, c'est vrai! Wouh! Merci! Vous êtes super! Ouais, après tout, moi aussi, j'ai été jeune. Non, sérieux? Et vous étiez comment? Bah, j'étais blond, mince et... je préfère ne pas en parler. Allez, file.